Alors, nous avons débarrassé les framboisiers et voilà, tout à l'heure, j'ai broyé toutes les tailles, les coupes des tiges de framboisiers et j'ai broyé tout ça. Et ça servira de paillage pour les fraisiers que j'ai plantés la semaine passée. Donc, voilà, j'ai commencé à étendre ce broyat, bon, assez grossier malgré tout, mais voilà, c'est le fraisier adore tout ce qui est broyat de branches. Donc en fait, il est un peu issu d'un milieu forestier, semi-forestier, et alors, il aime bien toute la décomposition du bois, la lignine. Et donc, il y a des champignons, des mycorhizes qui viennent s'installer et qui viennent se décomposer ce bois et qui fournit ensuite de la nourriture aux fraisiers. Il affectionne ça particulièrement. Donc, je vais mettre ça ici autour des fraisiers. Et s'il m'en reste, j'en mettrai aussi autour des framboisiers qu'on vient de repiquer, puisque eux aussi sont issus du milieu semi-forestier, on peut dire. Et affectionne aussi ce genre de paillis. Mettre tout ça autour et en plus ça fait une protection pour l'hiver et donc contre le ruissellement des eaux et en plus c'est la nourriture pour le sol donc ne rien gaspiller, ne rien laisser traîner, tout se recycle au sol. Nous sommes le 11 novembre au jardin d'Albec. Voilà, nous sommes devant le carré potager de culture associée. Donc, on vient de replacer un peu la clôture. Donc, elle était un peu envahie par les herbes à son pied et voilà, on vient de remettre un peu tout ça d'aplomb. Les framboisiers ont quitté cette parcelle pour en rejoindre une autre. Et nous avons un peu aménagé une entrée pour accéder au carré potager culture associée, donc ici le long de la rangée framboisier. Voilà, une petite porte de fortune avec un grillage. Voilà, il reste encore quelques cultures de cette année, principalement des carottes de provisions, carottes longues,
et des scorsonnaires. Bon, on a déjà effectué quelques nouvelles plantations aussi. Bon, ça, je vous ai déjà montré. Et donc ici, autour du grillage, donc en périmètre, en périphérie extérieure du carré, donc au bord du grillage, il y aura une zone de plantes condimentaires, aromatiques et aussi des fleurs. Donc cette bande ici qui a été dégagée ici, ben, c'est à peu près 60 cm de large. Elle servira à implanter toutes ces plantes condimentaires, fleurs aussi. Donc le but, c'est aussi d'avoir un maximum de biodiversité. Bon, il y a beaucoup de vent, j'espère que ça ne va pas trop perturber le son au niveau de la caméra. Et c'est aussi pour attirer les pollinisateurs. Donc ici, on peut voir notre butte avec l'ail éléphant qui a été planté à la fin du mois passé, donc en octobre. Donc le petit pousse commence à sortir, voilà. On peut bien le voir à l'image. Voilà, c'est un peu nu, mais bon, il y a encore quelques aménagements à faire. Mais ça commence à prendre forme. Donc je vais essayer de vous donner des nouvelles régulièrement. Bon, peut-être plus cet hiver, puisque voilà, on ne plante plus rien et ce qu'on fera certainement très bientôt cet hiver, c'est aménager ce sentier ici qui divise la parcelle en deux. De chaque côté, à gauche et à droite, on aura nos lignes de légumes associées évidemment. Donc le sentier, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. Peut-être mettra quelques dalles de récupération d'une ancienne terrasse qui a été démontée, ou peut-être aussi épandre des sciures et des copeaux de bois. Bon, c'est encore en réflexion. On verra un peu ce qui convient le mieux. Petit travail encore pour cet hiver. À l'aise. Alors tout doucement, l'automne s'installe. Il y a pas mal de vent aujourd'hui. Voilà un petit coup d'œil sur les ruches qui ont été installées ici par un apiculteur amateur. Voilà, on commençait que deux ruches, maintenant il y en a quatre, évidemment. Maintenant, le tout est au repos, en principe. Les abeilles sont à l'intérieur, protègent la reine et survivent avec ce qu'ils ont produit cet été. Donc l'apiculteur a bien sûr laissé un peu de, je ne sais pas, que c'est pas du miel, mais je suppose que c'est le produit de leur exploration au niveau des fleurs, pollen je suppose. Leur a laissé bien sûr de la nourriture pour cet hiver, pour qu'ils survivent.
pour qu'elles survivent. Bon, ben, j'espère que ça aussi, ça va contribuer à polliniser mieux les arbres, les petits fruits, etc. Donc on mettra aussi un peu plus de fleurs cette année pour dire de nourrir tout ça, pour que tout ça, ça soit un bon milieu pour eux, pour elles. Et en même temps, ben voilà, on pourra goûter un peu de ce miel aussi. Voilà, donc ici, il y a encore pas mal de pommes à cueillir. Donc, elles tiennent encore bien à l'arbre. Hein, donc, je ne sais plus ce que c'est comme variété. Bon, c'est sûrement une variété assez tardive. Bon, mais je pense que malgré tout, on va devoir commencer à cueillir, sinon ça risque d'être perdu. Donc on vient de réaliser le chemin central où l'on circulera pour accéder aux différentes rangées de légumes. Voilà, ce sont des dalles de récupération, une ancienne terrasse que l'on a démontée. Et voilà, ça peut être utile pour circuler à pied sec. Donc voilà, donc ici on aboutit près de la serre et tout le long de la serre il y aura aussi une rangée de plantes condimentaires, de fleurs ici. Voilà, donc on a mis ça assez rapidement. Voilà, on aura quand même de belles rangées, entre 5 et 6 mètres de chaque côté. Et toujours avec nos petits repères, tout ça je vais un peu expliquer plus tard. Je viendrai encore mettre quelques repères entre deux pour situer les rangées de légumes qui viendront encore s'intercaler. Étape de fête et je pense que maintenant on va pouvoir ameublir le sol au fur et à mesure de la saison. Et bon, ici c'est bien sûr la saison hivernale, mais c'est toujours bien d'avoir un sol meuble pour l'hiver, ainsi l'eau descend mieux dans le sol. Et alors l'activité des vers de terre aussi, bon, quand c'est un sol vraiment damé, bah, c'est pas optimum non plus. Donc c'est surtout ici qu'on a un peu beaucoup circulé pour enlever les framboisiers. Et là c'est un peu damé. On peut ramasser tous les déchets.
On va mettre ça un peu d'allure. Ben voilà, je pense que pour cette année, il n'y aura plus beaucoup d'autres vidéos. Je vais voir ce qui est encore intéressant de montrer. Donc ce sera principalement pour le printemps prochain. Voilà, à bientôt.